Je m'appelle Zouhir Bouzi. En 10 ans de travail chez Veolia, j'ai eu l'occasion d'exercer beaucoup de postes différents. Aujourd'hui, je suis chef de site, mais pas n'importe quel site. En 2014, un grand centre commercial a ouvert en plein cœur de Marseille, les Terrasses du Port. Pour gérer les déchets du centre, le propriétaire a lancé un appel d'offres qui précisait un point essentiel. Le projet devait être éco-responsable. Veolia a remporté le contrat grâce à un véritable travail d'équipe et un partenariat avec la société Elise qui aide à la réinsertion professionnelle. J'ai pris la tête de l'exploitation et c'est une aventure incroyable. Mon équipe s'est impliquée à 100% dans le projet dès le départ. 5 locaux dédiés ont été aménagés pour favoriser le pré-tri par les commerçants. Les déchets sont ensuite acheminés vers une déchetterie située au sous-sol du centre commercial. Le tri sélectif peut ainsi être opéré sur site. Je dois faire preuve d'inventivité pour sensibiliser au quotidien tous les commerçants au recyclage. C'est grâce à leur implication que l'on peut aujourd'hui valoriser une quinzaine de déchets différents. Il faut sans cesse trouver de bonnes idées pour encourager le tri. On a par exemple créé la biodéchets mobile, un chariot qui nous a permis de récupérer les biodéchets directement chez les restaurateurs. Ils sont ensuite envoyés vers une plateforme de compostage pour être transformés en compost. Il faut beaucoup discuter, expliquer, corriger les erreurs de tri et surtout faire comprendre aux commerçants à quel point le recyclage c'est essentiel. Ma plus grande satisfaction et ma récompense, c'est de voir évoluer les comportements jour après jour. Il faut être déterminé, mais ça finit toujours par payer. Aujourd'hui, 75% des déchets produits par le centre commercial sont valorisés. 2 fois plus en moyenne que les centres commerciaux classiques. Quand les gens voient une poubelle, moi je vois une matière de valeur.